Bonjour à tous. Dans une semaine, c'est Noël. C'est Noël. Et donc, on est dans l'esprit, dans l'arène de Noël, puisqu'on va recevoir aujourd'hui des gens qui vont parler de Noël. Mais aussi, on va quand même parler produits pays, comme chaque 2 mois, 3 mois, on reçoit le patron, le rédacteur en chef, l'animateur de ce magazine au cœur de l'industrie guadeloupéenne. Je veux parler de monsieur Christophe Rotker. Bonjour. Bonjour, David. Il sera notre invité, mais pas que lui. On aura aussi notre rubrique juridique comme chaque semaine. On revoit nos deux avocats. On parlera des juges de tutelle, entre autres. Et puis l'information qui commence par une note très triste à Saint-Avant-Noël. Eh bien oui, dans les titres de ce jeudi, nous allons évoquer cette information et ce fait divers affligeant. Hier soir, à Petit Canal, lors du traditionnel chanté Noël, le Chapeau Canal, des coups de feu ont retenti vers 21h15. Il y avait alors beaucoup de monde, des familles, des enfants. Bilan, un mort et un blessé. C'est une victime collatérale. Nous reviendrons sur ce fait divers dans notre journal. La collectivité unique va devenir une réalité en Guyane. Assemblées départementales et régionales vont donc fusionner pour donner naissance à la CTG, la collectivité territoriale de Guyane. Nous entendrons deux sénateurs guyanais sur cette avancée institutionnelle. Et puis en sport et en escrime, l'équipe de France de Fleuret s'échauffe en Guadeloupe dans la bien nommée salle Laura Flessel de Petit-Bourg, à leur côté de jeunes escrimeurs guyanais. Guadeloupéens participent à ces entraînements, vous allez le voir dans notre reportage, assez costaud. Voilà un petit peu pour le menu donc, de ces informations de ce jeudi 17 décembre, Danick. Et on va rejoindre le groupe Zoulouka, c'est ça ? Zoulouka, qui Zoulouka. Était d'ailleurs hier soir sur scène au moment où des coups de feu ont retenti à Petit Canal. Donc je pense qu'on reviendra avec eux sur ce triste incident. Alors je le disais tout à l'heure, c'est un mot qu'on avait pris avec Christophe Wachter, chaque fois que le produit pays qui n'est un journal, mais pas que, sort. Nous avons plaisir à recevoir Christophe Rotker, qui est le secrétaire général des MPI. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre Viss. Comment se portent les MPI en cette fin d'année, puisque c'est l'heure des bilans? Cet après-midi, la CCI fait son bilan. Vous faites jamais de bilan, vous, devant la presse? Nous avons une assemblée générale annuelle qui a lieu au mois de juin, généralement. D'accord. Et les MPI se portent bien en ce moment? Les MPI se portent plutôt bien. Les MPI se portent plutôt bien dans la mesure où le secteur du bâtiment tient la route et nos industries liées au bâtiment arrivent à travailler. Le secteur de l'agroalimentaire également tient la route. Hein, les productions locales sur les produits à forte valeur ajoutée comme le rhum vieux ont de beaux chiffres. Mmh. Et sur les autres produits de l'agroalimentaire, les parts de marché sont bien occupées. Donc les MPI se portent plutôt bien. Ça pourrait être mieux, évidemment. Oui. Mais le véritable enjeu pour les MPI, c'est de gagner des parts de marché sur l'importation. Et la plupart c'est le plus difficile. C'est le plus difficile, évidemment. Hein. C'est d'arriver à proposer des coûts de revient qui soient beaucoup moins chers que les produits importés et à être référencé dans la grande distribution. Mais c'est un rêve, ça. C'est pas un rêve. On va dire que c'est un objectif, c'est une perspective et on y travaille. Mais justement, sur cette question du consommer local, est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression que les choses finalement elles avancent pas ou doucement? C'est vrai que apparemment il y a plein de gens qui sont favorables en fait à ce qu'on essaie d'importer moins et de donner un petit coup de pouce à la production locale, mais de l'autre côté on a l'impression que les chiffres ils varient pas tellement, que 80% des produits que l'on consomme sont toujours importés, viennent de l'extérieur. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est la volonté politique? Elle est vraiment là? Est-ce que aussi les consommateurs, ils ne sont pas assez conscients? On est dans le domaine de la consommation. Et donc, sur ce genre de produits, sur les produits de consommation courante, je pense que la puissance de feu des produits importés, la puissance de feu publicitaire des produits importés par tous les canaux d'information, autant la presse écrite que la presse audiovisuelle, font que ces produits-là ont une notoriété supérieure aux produits équivalents, aux produits localement. Et c'est vrai que le réflexe de consommation locale reste, en quelque sorte, une déclaration d'intention. Mais est-ce que vous regrettez, par exemple, que les acteurs de la grande surface peut-être ne donnent pas aussi assez de place aux productions locales? Est-ce que l'effort est fait? Est-ce que ça paye concrètement dans l'organisation des magasins? Est-ce que les produits sont suffisamment alors, en vue? On voudrait évidemment avoir plus de place dans les rayons, mais les acteurs des grandes surfaces
place donnent à leurs consommateurs les produits qu'ils réclament. Donc je pense que nous, on s'adresse surtout aux consommateurs dans notre langage et même dans notre magazine. On veut toucher essentiellement le consommateur qui reste le maître du jeu, en fait. C'est le consommateur qui décide de quel produit il achète, en fait. Et donc l'acteur de grande surface va donner au consommateur ce qu'il attend. Et aujourd'hui, c'est le consommateur guadeloupéen qui ne réclame pas suffisamment de produits pays. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'on est déjà parvenu à un stade où après 30 ans de consommer local, etc., on voit même que la France fait la promotion du Made in France. Le consommateur guadeloupéen qui théoriquement est conscient des enjeux de la consommation locale en Guadeloupe devrait exiger des produits locaux là où il consomme. Et c'est carrément le consommateur qui devrait exiger. Quel est le frein ? Le frein, c'est que le consommateur n'exige pas. Mais comment on exige en tant que consommateur ? C'est difficile aussi quand on va faire ses courses. Certes, on peut aller au marché, avoir de bons réflexes, mais on ne peut pas en exiger partout. Mais quelque part, dans la restauration, je veux dire, un Guadeloupéen qui est soi-disant conscient des enjeux économiques qu'il y a derrière la production locale pourrait dire à un restaurateur qu'il n'a pas à boire de l'eau venant d'ailleurs et qu'il pourrait boire de l'eau de Guadeloupe. Il suffit de le signaler au restaurateur. Le lendemain, je vous assure qu'ils vont proposer de l'eau guadeloupéenne à leurs consommateurs. Je pense que vraiment, c'est le consommateur qui a toutes les clés de ce problème-là. On attend beaucoup sur le politique. Est-ce qu'il est conscient, Christophe ? Parce que ce que vous dites, parce que souvent le consommateur réagit, comme on dit, par rapport à son porte-monnaie. Mais après 30 ans d'une journée de consommation locale que vous faites chaque année dans une super... Une semaine, mais ça passe tellement vite comme impression. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement faire au moins de consommation locale pour faire entrer le clou ? Parce qu'en fait, il faudrait, nous on demande que ça. Et Céline disait une année, effectivement. On peut aujourd'hui répondre à la plupart des attentes des consommateurs dans la plupart des produits, autant dans les industries chimiques que dans la construction que dans l'agroalimentaire. On pourrait le faire. Mais comme je vous dis, c'est le consommateur qui exige. Oui. Il faut toucher le consommateur. Oui, sa corde sensible et son porte-monnaie, les deux à la fois. Il faut aussi que d'autres personnes s'y mettent. Je crois que le consommateur, c'est aussi dans la grande distribution, dans la restauration collective. Il faut également que les acteurs de ces domaines-là, dans l'hôtellerie, dans l'hospitalisation, aient ce volontarisme de consommer local. Je veux dire, dans l'hôtellerie... J'ai aussi pris cet exemple-là parfois. Il y a des matelas. On peut acheter des matelas en Guadeloupe. Chez Baptiste, on va le dire. On peut acheter chez Baptiste. Moi, je fais de la pub pour les MP uniquement. Mais il y a des matelas. Et je ne sais pas, lorsque dans l'hôtel, on achète des matelas, je ne suis pas sûr qu'on allait les acheter dans une ancienne locale. Oui, il faut. Et oui. Oui, alors, on parlait de consommer local. Bon, je n'ai pas envie de vous dire ça, mais est-ce qu'il y a un déficit de communication ? Certainement. Oui. Le journal ne suffit pas, peut-être. Mais ce n'est pas le journal qui va tirer la consommation. Non, je sais bien. Ce sont des marques. Derrière ce journal, vous avez 125 entreprises qui ont chacune leur réseau social, qui ont chacune leur marque. Et donc, le journal n'est que... Toutes n'ont pas un Facebook, toutes n'ont pas un Instagram, toutes n'ont pas un Twitter. Voilà, donc les entreprises communiquent beaucoup. Elles font ce qu'elles peuvent. Après, sur le terrain de la publicité, moi, je pense qu'il faudrait aussi plus facilement ouvrir et trouver les moyens pour que des marques aient plus de visibilité. Lors de la route du Rhum, c'était quand même du champagne qui était servi. Ouais. Du champagne, quoi. Lorsqu'on regarde les panneaux 4x3, vous regardez, hein, combien de panneaux 4x3 pour des produits locaux, combien de panneaux 4x3 pour des produits importés. Ouais. Enfin, je veux dire, moi, je pense que c'est sur le terrain de la publicité que les choses se jouent, et ensuite sur le terrain des habitudes de consommation. Et nous, je pense qu'on a d'abord commencé par essayer de toucher les habitudes de consommation, et ensuite on essaie de voir si la publicité peut suivre. Il faudrait qu'on inverse cette vapeur-là. On voit quand même le volume de Céline Nodzel, le volume des importations ne diminue pas en Guadeloupe. Le volume d'importation ne diminue pas parce que notre système économique est basé sur l'importation depuis, et c'est pas depuis 30 ans seulement. Donc il est vraiment basé sur l'importation. Donc il y a des transformations aussi de fond qui vont dans le sens d'un dialogue avec des autorités nationales, etc. Et nous, on travaille sur ça. On essaie de faire progresser les chances pour les produits locaux d'être consommés sur leur marché domestique. Alors il y a quelque chose quand même que je note, et j'imagine que vous êtes mieux placé pour le voir.
Il y a de plus en plus ce qu'on appelle des marchés locaux avec des produits agroalimentaires en quantité. Alors, première chose, est-ce que ces produits alimentaires, agroalimentaires sont référencés ou bien est-ce que c'est une sorte de vente à la débrouille en disant « Rafa Tibité en moins, Ravini, vendu le vendredi à Petit Bourg, etc. » Comment, du point de vue du MPI, on voit cette montée en puissance? Parce qu'il y a beaucoup de produits à partir du rhum, des sirops, enfin bon, je passe sur le détail, des confitures, etc. Mais ça a une visibilité que pendant une période où, comment ça s'appelle, joue à tradition, une fois par an. Ça sera dimanche d'ailleurs. Comment ? Ça sera dimanche d'ailleurs. Oui, ce sera dimanche. Et puis une autre fois au marché régional de Basse-Terre. Et puis plus rien après. Il y a les petits marchés nocturnes quand même dans beaucoup de au points. Moule à Gosier. Voilà, Moule, Gosier. Il y en a d'autres à Petit-Bourg. Ouais, le vendredi. Ça progresse. En fait, je crois que ce sont des canaux d'écoulement. Ouais. Et les produits locaux ont besoin d'utiliser tous les canaux d'écoulement. Lorsque vous êtes producteur, il faut pouvoir vendre vos produits. Et tous les canaux sont bons à prendre. Donc, le canal des petits marchés locaux, il est bon. Le canal du référencement des produits dans la grande distribution, il est bon. Le canal de l'exportation des produits locaux et de leur reconnaissance sur des marchés extérieurs, il est bon. En fait, tous les canaux sont bons. Et donc, on essaie de travailler sur chacun de ces canaux. Après, il faut que localement, on ait ce qui est en train de s'organiser ici, des interlocuteurs uniques qui travaillent sur tous ces sujets-là. C'est ce qui se passe. Pendant longtemps, on a eu un émiettement institutionnel où chacun avait sa politique. Chacun avait sa politique pour défendre les produits locaux. Chacun avait ses événementiels. Chacun avait son dialogue avec telle ou telle enseigne, etc. Donc, les démarches de regroupement telles que celles des MPI et d'autres sont des démarches très positives qui permettent d'avoir un seul interlocuteur et donc de contractualiser plus facilement. Moi, je voulais peut-être qu'on dise un mot concernant le RSI. J'imagine que parmi les affiliés au MPI, il y a aussi beaucoup d'affiliés, de gens qui sont dans les MPI, d'affiliés au RSI. Par nature, pas vraiment. Forcément. Parce qu'on est vraiment dans le domaine industriel qui réclame premièrement un gros investissement industriel. Et souvent un personnel en nombre assez conséquent pour faire tourner les machines. Donc il y a peu d'entreprises unipersonnelles au final. Oui, dans le secteur industriel en tout cas. D'accord. Oui. Je reviens à la problématique des marques. Comment expliquer que des marques guadeloupéennes ne soient pas, ne fassent pas tilt dans la tête des consommateurs? Je disais tout à l'heure sur le problème de communication. Bon, je ne vais pas citer de mort de boissons gazeuses, etc. Mais il y a des produits qui reviennent souvent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos chefs d'entreprise n'ont pas encore compris la dynamique, ce type de communication pour allier leur marque à des événements ou des choses comme ça? Les chefs d'entreprise ne sont pas en cause. Ils sont capables d'investir, ils sont capables de produire, ils sont capables de... Et qu'est-ce qui manque? C'est bon, le consommateur, parce que pour toucher le consommateur, il faut aller le chercher, comme on dit, qu'il faut même aller le chercher avec les dents. Donc est-ce qu'aujourd'hui, le producteur guadeloupéen n'est pas au stade, dit bon, mi-bitin en moins, et puis bon, s'ouvre quoi? Non, mais non, il y a des efforts publicitaires qui sont faits, il y a des efforts de partenariat, de visibilité, tout ça. Lorsque vous avez un consommateur guadeloupéen qui vous dit, moi, je ne mange que de la confiture de fraises, vous avez beau être un producteur de confiture guadeloupéen avec 50 parfums de confiture, vous avez des gens qui boivent du champagne, qui mangent de la confiture de fraises, et puis voilà quoi. Et c'est difficile de dire à ces gens-là, changez vos habitudes de consommation. Mais est-ce que c'est pas aussi, vous le disiez, des PME, et est-ce qu'elles ont toutes un service marketing structuré? C'est vrai que c'est pas facile aussi, un service export structuré, tout ça c'est souvent une personne qui fait plusieurs choses. Donc, malheureusement, il y a aussi cette dimension-là, effectivement, on est sous-doté en termes de structuration par rapport à nos concurrents qui sont des produits d'importation. Oui, mais c'est ça, c'est justement ça. Je prends un exemple qui est basique, mais enfin, et qui mériterait peut-être, je ne sais pas comment traiter ça. Comment on passe de l'artisanat à l'industriel en Guadeloupe? Je prends le cas de la cassavrie qu'on connaît, qui fait un produit qui est de qualité, qui est reconnu, mais qui reste très, très, très artisanal. Très artisanal, parce que pour produire de façon industrielle, il faut déjà un investissement. Ouais. Et pour produire de façon industrielle, il faut également être sûr qu'on va écouler ses produits.
Donc pour faire l'investissement, il faut être sûr qu'on va écouler ces produits. Ouais. C'est pour ça que les entreprises passent du stade artisanal au stade industriel de façon progressive, step by step, en fait, pour progressivement habituer le consommateur à leurs produits et puis se rendre compte que la demande réclame qu'ils passent à un stade industriel. Alors juste une petite comparaison, puisque vous voyagez souvent, est-ce que nos voisins ont cette problématique avec leurs consommateurs? Autant que vous sachiez. Nos voisins de la Caraïbe ? De la Caraïbe, bien sûr. Non, ils consomment plus facilement leurs produits. Que nous ? Que nous, que nous-mêmes, oui, bien sûr. Ouais. Et c'est lié à quoi ? C'est quoi ? Ils ont créé cette dynamique, ils ont su créer cette dynamique et nous, on ne sait pas encore faire. Je pense que dans les îles de la Caraïbe, il y a une meilleure conscience collective de l'intérêt économique et les retombées en termes d'emploi lorsqu'on consomme local. Ouais. Ici, en Guadeloupe, on n'a pas cette tradition-là. On a la tradition du produit importé. Et je pense que la prise de conscience sur l'effet création d'emplois de la consommation des produits locaux n'est pas tout à fait installée dans la tête des consommateurs guadeloupéens. Il y a du travail à faire. Tout le monde doit le faire. Je pense que je parlais de conscience collective. C'est une entreprise collective, en fait. C'est une entreprise collective. Ça commence par les plus hautes autorités de ce pays. Ça commence également par des autorités françaises présentes ici qui doivent encourager à consommer local. Ça commence également par des représentants de l'administration française qui eux-mêmes n'ont peut-être pas ce réflexe local. C'est vraiment tout le monde qui est impliqué dans ça. C'est un combat de tous les jours et qui concerne tout le monde. Oui. Alors, justement, je m'interrogeais en fait, qu'est-ce que ça représente en termes d'emploi la production locale, par exemple concernant l'agroalimentaire, on a une idée aujourd'hui L'industrie agroalimentaire, localement, représente à peu près 2500 salariés dans l'industrie. Et le potentiel, j'imagine, il est de création d'emplois encore dans le secteur. Le potentiel est énorme. Le potentiel se chiffre en point de croissance. Il y a une évaluation qui avait été faite qui disait que dans la restauration collective, c'est-à-dire dans les cantines scolaires, si dans les cantines scolaires de Guadeloupe, on consommait exclusivement des produits guadeloupéens de l'entrée au dessert, on pourrait gagner 2 points de croissance. C'est une estimation qui a été contestée par la suite, mais lorsqu'on se pose la question sans raisonnement économique, en disant mais est-ce que sur une île comme la Guadeloupe, les enfants de ce pays ne pourraient pas consommer uniquement local lorsqu'ils mangent du poisson, de la confiture, lorsqu'ils consomment du sucre, du jus, de l'eau Ou des fruits. Voilà, est-ce que ce n'est pas une question de bon sens? Il semble que oui, d'un point de vue économique. Il semble que oui, d'un point de vue au niveau de la santé, simplement. Moi, j'entends souvent le docteur Henri Joseph dire qu'il faut manger des choses venant de son environnement, à partir de matières premières de son environnement. Mais bien sûr, et aussi au niveau de... On parle en ce moment beaucoup de COP21, mais du transport, ça paraît évident que de faire voilà, venir... Voilà, il y a un coût carbone sur l'approvisionnement en matières premières, même si on a quand même besoin de matières premières venant de l'importation pour produire localement. Mais on peut mieux faire. En fait, mon propos, c'est celui-là. C'est qu'on peut mieux faire. Et à travers ce magazine, le numéro que vous avez sous les yeux, on a voulu faire un numéro spécial sur la valeur ajoutée. Justement, j'y venais. Alors, cette valeur ajoutée sur nos produits, qu'est-ce qu'on peut ajouter, justement, pour qu'ils gagnent de la valeur, nos produits? La transformation de n'importe quel produit, la transformation d'une goyave en confiture de goyave, c'est déjà de la création de valeur ajoutée. Ouais. C'est faire travailler quelqu'un qui va faire la pâte de goyave, la confiture de goyave, mettre dans le pot, fermer le pot, mettre dans le carton, transporter jusqu'au point d'accord. de vente. Et donc la valeur ajoutée locale, c'est ça. C'est-à-dire créer de l'activité à partir d'un élément, faire augmenter la richesse intrinsèque de cet élément et créer de la richesse, donc payer des salaires, payer des taxes, etc. Pour l'instant, c'est un mot d'ordre ou bien c'est déjà une réalité, cette valeur ajoutée? Ah, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous sentez que vraiment, il y a une montée en puissance quand même? Pour le moment, la valeur ajoutée locale dans le PIB local, c'est 10% du PIB local. Ouais. Donc, c'est pas beaucoup. C'est très peu. Ça laisse des marges de progression. Ouais. Alors, je vais vous poser une question politique qui n'est pas politique. Non, elle est politique, mais elle n'est pas politique. Ça sent le piège, Danick. Non. Moi, je me méfierais. Alors, non, en fait, la question de savoir... Est-ce que pour les 10 dernières années, cette prise de conscience a été faite au niveau supérieur, je veux dire, au niveau de la région? Est-ce qu'on a senti
que l'équipe qui vient de quitter la présidence avait cette prise de conscience du produit local à instaurer un peu partout, etc., de façon à ce que... Est-ce que vous avez ressenti ça ou bien est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre? Demain, on change de président, peut-être que c'est un mot d'autre que la presse peut faire passer. Je pose la question en tant que journaliste. Est-ce qu'on peut dire que depuis 10 ans, on a ce sentiment qu'il y avait cette prise de conscience? Il y a eu des efforts qui ont été faits par les deux, par les deux équipes qui se sont succédées au niveau national, en tout cas. La droite, enfin le gouvernement de droite avait prôné la notion de développement endogène, ouais, qui recueillait un écho très favorable chez nous ici en Guadeloupe. Développement endogène, c'est la création de valeur ajoutée tout simplement. Ensuite, avec le gouvernement qui a suivi, on est rentré dans une logique de régulation économique, oui, donc qui était un petit peu moins, qui résonnait un petit peu moins chez le producteur local. La régulation économique touchait plus les produits d'importation, etc. Donc, pouvait avoir par un effet, pour avoir un effet positif sur la consommation et la production locale. Il y a eu des efforts qui ont été faits également pour la grande distribution. Il y a des projets qui étaient faits sur des centrales d'achat. Enfin, je veux dire, il y a eu du volontarisme de part et d'autre. Mais ensuite, on est quand même dans des réalités économiques. C'est la loi du marché qui prime. C'est le consommateur qui décide et c'est le prix qui décide. Ouais. Et donc, quelque part, est-ce que nos autorités locales ont de véritables leviers sur des questions économiques telles que celles-là? Sur le prix, par exemple. Voilà, sur le prix, sur le consommateur. Les vraies questions, à mon avis, elles sont là. Et les vrais enjeux de demain, ils sont à ce niveau-là. Oui. Comment on peut aider le producteur local, sans doute avec des concours de fonds européens, à baisser ses coûts de production? C'est déjà le cas avec les aides aux fret, avec des dispositifs comme l'octroi de mer, etc. Il y a quand même quelques instruments qui peuvent être optimisés. J'ai toujours compris et entendu que le travail coûte trop cher en Guadeloupe. Le coût du travail est élevé. Production. Oui, le coût du travail est élevé. Oui. Notamment lorsqu'on compare avec nos concurrents directs des îles de la Caraïbe. Oui. Le coût du travail est élevé. On est dans des standards européens, des standards occidentaux, oui, qui font que dans nos petites îles des tropiques, oui, on doit obéir à quand même de la normalisation européenne. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit indépendant, en fait. Je ne sais pas. Est-ce que la traduction économique de cette volonté, c'est immédiatement une réduction des prix? C'est moi qui pose la question. Hein. Mais est-ce que c'est... Moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est une réduction des prix? Oui. Non, mais c'est une question à étudier. Enfin, en tout cas, dernière chose, et on va se quitter sur ça. Les MPI créent de l'emploi aujourd'hui? Oui. Oui. Parce qu'on a tout le temps dans ta vie une entreprise, un salarié. Ah non, pas les entreprises industrielles. Pas les MPI quand même. Pas les entreprises industrielles. Oui. Le dispositif d'octroi de mer a été évalué et reconduit pour une période jusqu'à 2020. Oui. Et lorsque cette évaluation a été faite, il a été considéré que sur les 10 années de l'ancien dispositif, il y avait eu de la création d'emplois dans le secteur industriel, qui était très net, et d'ailleurs qui a expliqué que Bruxelles accepte de reconduire le dispositif d'octroi de mer. Le prochain numéro du produit pays, c'est quel mois? Au mois de février ou au mois de mars. Vous serez toujours là? Où ça? Non, enfin, je veux dire au MPI, oui. A priori, oui. Rassurez-nous. A priori, oui. Ah, mais vous avez des informations. Aucune sirène ne viendra vous enlever cette fonction, non? Ah, je sais pas, on peut tomber amoureux à tout moment. D'accord. Mais à même vous avez des informations, je ne sais pas. D'accord. Merci en tout cas, Christophe, d'être venu, Christophe Wachter, d'être venu secrétaire général des MPI et coordonnateur de ce produit pays, dont c'est un gratuit. Et pas assez visible malheureusement. C'est bien la raison pour laquelle on vous invite. On vous remercie beaucoup d'ailleurs pour ce coup de pouce. Que les gens puissent se trouver, surtout qu'on retourne chez les consommateurs. Maintenant, il faut acheter plus de produits pour local pour faire pays là avancer. Merci, il est 13h, ça va être l'heure de la pub. Peut-être un petit mot, Céline, avant. Non, je pense qu'on va peut-être tourner la page. On tourne une page de publicité. Et du produit pays. Et on du produit pays, voilà, on a tourné la page. On a remercié Christophe et puis on va le retrouver probablement au mois de février. Merci. Salut. Merci. Joyeux Noël. Merci. Veille jambon Guadeloupe. Obligé. Bon.
Voilà, 13h07 dans le ZCL et on poursuit avec l'information. Et on commence par ce fait divers dont je vous parlais, assez affligeant hier soir à Petit Canal, lors du traditionnel chanté Noël. Le chapeau canal, des coups de feu ont retenti vers 21h15. Il y avait alors beaucoup de monde, des familles, des enfants. Michel Terrasse, un de nos cadreurs, était présent sur place pour couvrir la manifestation. Autant vous dire qu'il a eu très peur. Bilan de ses tirs, un blessé. Il pourrait s'agir de l'homme visé, mais aussi une femme qui a succombé à ses blessures, une victime collatérale. Tout cela s'est passé pendant la prestation du groupe Zoulaka qui venait de jouer une dizaine de titres. Ils seront sur ce plateau dans un instant. Je pense qu'on reviendra avec eux sur cet événement. Alors faudra-t-il s'armer désormais de gilets pare-balles pour aller au chanter Noël? La question est posée. En attendant, on regarde ce sujet de Michel Terrasse. Nous avons eu des coups de feu et on s'est rendu compte qu'il y avait deux blessés par balle. Une jeune dame qui apparemment était en dehors de toute chose, qui a reçu une balle perdue, et un autre jeune homme qui a reçu une balle en pleine poitrine. Bon. Nous ne savons pas la gravité quand même des blessures à ce moment précis, mais en tout cas, cela a véritablement entaché la belle manifestation qui s'annonçait ce soir. Le public avait fait le déplacement. Il faut savoir que sur Petit Canal et dans le Nord Grande Terre particulièrement, nous donnons les moyens d'apporter de l'animation. Nous donnons les moyens de faire connaître notre territoire, notre savoir-faire. Nous accompagnons les associations du mieux que l'on peut. Et Chapeau Canal avait mis les moyens. Et s'était donné les moyens pour que ce soit une très belle fête ce soir. Malheureusement. Nous sommes victimes ce soir, nous sommes tous victimes, tous ceux qui avaient fait le déplacement pour venir s'amuser et justement perpétrer notre coutume qui est de se retrouver, de faire des chanter Noël. Mais ce soir, nous sommes victimes de ce qui s'est passé. Nous sommes obligés d'arrêter la manifestation avec le cœur serré, mais dans un souci de sécuriser les lieux, de sécuriser la population. Donc c'est une obligation ce soir d'arrêter la manifestation. Mais cependant, nous allons encore mettre les moyens l'année prochaine pour que... Et on a dû arrêter la manifestation parce qu'on n'a pas le cœur à faire la fête dans ces conditions. Et je suis vraiment, vraiment désolée. Et j'espère qu'un jour, on comprendra que la vie est précieuse et qu'on devrait plus s'aimer que se faire la guerre, pour ainsi dire. Voilà, on poursuit, on tourne une page de politique à présent et la collectivité unique qui va devenir une réalité en Guyane. Assemblées départementales et régionales vont donc fusionner pour donner naissance à la CTG, la collectivité territoriale de Guyane. Rodolphe Alexandre, élu lors des régionales, prendra la tête de cette institution revisitée. Explication avec Maurice Cessé à Paris. Il a interviewé deux sénateurs guyanais sur la question, Antoine Karam et Georges Patient. On voit ces images. Le résultat était attendu. Nous savions depuis très longtemps que les deux exécutifs en place, celui du département, M. Alain Tienlong, et celui de la région, M. Rodolphe Alexandre, seraient les favoris parce qu'ils avaient d'abord entre les mains l'organisation des deux collectivités majeures, ensuite chacun un bilan, et puis enfin, ils étaient en permanence sur le terrain depuis fort longtemps. Donc il n'y a pas eu de surprise en Guyane. Enfin, changement dans l'organisation puisqu'il s'agit d'une fusion, mais pour le reste, j'attends pour voir. Vous savez que moi, je me suis toujours battu pour un véritable changement de cadre, non pas institutionnel, mais statutaire, considérant que les textes qui régissent ces collectivités ne sont pas adaptés aux réalités de notre territoire, et particulièrement la Guyane, qui est un pays du Sud, géographiquement, mais qui en même temps est un pays institutionnellement du Nord, faisant partie de la France et de l'Europe. Alors j'espère qu'on s'en rendra compte très rapidement qu'il faut transférer non seulement des compétences, mais changer complètement le cadre pour permettre à cette collectivité unique de devenir un véritable outil au service du développement de la Guyane. Mais c'était une victoire que j'espérais, que j'attendais. Donc beaucoup de satisfaction de voir Rodolphe Alexandre être élu à ce poste. Hein. C'est un poste qu'il convoitait parce qu'il disait que c'était le combat de sa vie. Et pour tout dire, il le mérite. Hein.
il le mérite. Hein. Il vient de faire 5 ans de mandat de président de région. Moi, à titre personnel, je peux témoigner de la qualité de son travail, parce qu'il n'a pas hésité à faire appel à moi en tant que parlementaire pour défendre des dossiers qui méritaient d'être défendus sur le plan national et sur le plan local, puisque je suis maire d'une commune de Guyane. La coopération aussi a été très étroite. J'ai bénéficié d'une offre territoriale, comme tous les maires de Guyane, puisque l'avantage de Rodolphe par rapport aux autres, c'est que la Guyane, pour lui, ne s'arrête pas à l'île de Cayenne, mais c'est un homme qui circule et qui agit dans le Haut-Maroni, dans l'Est, dans l'Ouest guyanais. C'est un homme qui a su appréhender la Guyane. Il est vrai que... Il a une grosse expérience en la matière, hein, puisque ça fait quand même assez longtemps qu'il est en politique. Voilà, il est 13h13, l'heure du moment important de ce ZCL du jeudi, puisqu'on retrouve nos deux avocats qu'on n'avait pas vus depuis quelques semaines. Oui, ils nous ont manqué. Ils nous ont manqué, bien sûr, ils ont manqué surtout aux téléspectateurs aussi. Bonjour Maritza, bonjour France. Bonjour. Donc... on va parler aujourd'hui de sujet, j'avoue que je découvre, le juge de tutelle. Vous saviez ce que c'était, Céline, le juge de tutelle ? Non, j'ai déjà entendu ce terme, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça revêt exactement. Effectivement, on va le savoir tout de suite, et nos téléspectateurs aussi. Alors, c'est quoi un juge de tutelle ? Alors, le juge des tutelles est un juge du tribunal d'instance qui va avoir des compétences importantes puisqu'il va être chargé de gérer et d'administrer les personnes sous tutelle. Il va pouvoir effectivement décider du placement ou pas d'une personne sous tutelle parce qu'elle va avoir des difficultés, elle va être majeure incapable. Il va pouvoir contrôler la gestion des comptes faite par le tuteur. Il va pouvoir ordonner certains actes graves, par exemple vendre un bien appartenant à la personne sous tutelle. Et il va aussi pouvoir désigner un tuteur ad hoc dès lors qu'il y aura des intérêts contradictoires entre le tuteur et la personne majeure incapable. Qui désigne le juge des tutelles ? C'est à la demande de la famille ? Non, c'est la famille qui va saisir le juge des tutelles pour le placement d'une personne majeure incapable sous le régime de tutelle. D'accord. Voilà. Et à partir de ce moment, ce juge de tutelle devient... je veux dire, la personne la plus importante pour la gestion c'est des ça, affaires. C'est ça, c'est ça. Le tuteur aura des comptes à lui rendre. D'accord. Alors, il est compétent, ce juge-là, uniquement pour les majeurs incapables, parce que depuis quelques années, pour les enfants, pour les mineurs, c'est le juge aux affaires familiales qui fait office de juge des tutelles mineures. Céline, une question ? Alors ensuite, il y a aussi un autre juge, celui des libertés et de la détention. Alors, ce juge, il est, lui, compétent pour ordonner le placement d'une personne en détention provisoire ou pour prolonger la détention provisoire, ou encore il va avoir à se prononcer sur les demandes de remise en liberté que le juge d'instruction aura rejetées. Donc c'est un juge aussi qui a un rôle extrêmement important. Alors je veux juste une petite question revenir sur le juge des tutelles, je ne sais pas si c'est France qui répondra. Quelle est la relation entre le juge des tutelles et l'avocat ou les avocats ? Est-ce qu'il y a une relation entre vous à ce moment-là ? Nécessaire ? Est-ce qu'elle est nécessaire d'abord ? Non. C'est une requête qu'on a déposée côté juge-là. Vous n'avez pas besoin d'avocat pour ça. Vous pouvez venir sans avocat à partir du moment que vous savez qui j'en sera passé. Au tribunal d'instance, il y a des formulaires pour qu'on vienne, rempli, il y a des pièces à bail. Et là encore, si vous savez qui j'en sera passé, quand vous avez déposé le juge là qu'a convoqué ou qu'a convoqué mon là et ça a été naturellement. Alors même question pour juge de liberté et de tension, là ou bien avocat ou vinévère là, non ? Ah, il faut un avocat. Un avocat obligatoire. Ah, c'est ça, M. Bernier de Cadilla, ni deux mots là-dedans. Ni liberté et ni détention. Liberté pour le monde qui est gentil dans là. Mettez au dehors, liberté est provisoire. Et pour le monde qui est pour congénéral, c'est détention. C'est-à-dire que nous avec la loi, il y a mené au tribunal là. Premier butin, il y a fait comme mené devant Poturel. Poturel a javré son butin à Bab, il y a voulu qu'on donne juge que le juge d'instruction. Juge d'instruction là, lui-même, qui a vrai butin là, c'est grave, il faut peut-être M. Ibimao.
et qu'a voyé devant le juge des libertés et de la détention, que c'est seul juge en France qui a mis mon la jol. Il faut passer par là, absolument. D'accord. Donc, pour que la ne pas directement faire ou mettre mon dans la jol. Non. Pour que la pas répondre, d'autres ne peut pas. Seul, nous mettons un juge spécial. Avant, c'était le juge d'instruction à PV. Ouais. Mais nous mettons un juge spécial, juge des libertés et de la détention, c'est ça, Rolaï. Ça qui est dedans, mettez-vous dehors, liberté provisoire. Ça qui est pour dedans, mettez-vous dedans, détention. Est-ce qu'à un moment-là, ça, avec le juge des libertés, là, il y a beaucoup là, qu'il y a ni contradiction, enfin, débat contradictoire, ou bien est-ce que ça. Tout à fait. Le juge des libertés va rendre sa décision, son ordonnance, après un débat contradictoire, où l'avocat va expliquer un petit peu les garanties de représentation de son client avec des pièces. Expliquer par exemple qu'il a un travail, qu'il a une famille, donc on pourra le retrouver. On va essayer de négocier aussi un contrôle judiciaire avec des obligations, parfois d'aller pointer. Il y a un véritable débat, et c'est à l'issue de ce débat-là que le juge va décider ou non du placement ou de la prolongation de la détention. Je me demandais si justement ce juge des libertés et de la détention, il pouvait être saisi concernant des conditions de détention qui sont difficiles par l'avocat, par exemple. Non. Il n'y a pas voilà. Le tribunal là, en général, la jolie là, il va dire pas un espace de non-droit. En disant là, ni des lois, ni des buts à respecter. Et souvent, on voit un détenu, ni un problème quelconque. Soit un problème avant d'autres détenus. Soit un problème avec personnel, ou soit un problème sur les conditions de détention et qui a été habillé, fait des ordres, fait bitin. À un moment-là, ça, il a passé devant un conseil de discipline. En gros, il y en a qui ont juge de l'application des peines qui gravine pour tirer là. Nous aussi, avocats, c'est une véritable audience. Mais tout ça qui a passé en dit dans la même sans un tribunal. Là. Mais tout problème qu'on détenu béni, il réglé. Pas instance là, ça, devant le juge de l'application des peines, mais on dit dans la même. Alors ensuite, il y a un autre terme qui mérite d'être expliqué, c'est la peine de jour amende. Alors la peine de jour amende est une peine qui peut être prononcée par le tribunal correctionnel. Je vais vous donner un cas pratique. Par exemple, vous êtes condamné. Oui. Voilà, vous. Voilà. Hein, oui, je risque d'être condamné. Voilà, à payer 60 euros pendant 60 jours d'amende. Ça veut dire que vous êtes condamné à payer 60 multiplié par 10, 600 euros oui. au trésor public. Alors, cette peine-là, vous devez l'exécuter, parce que si vous l'exécutez ne serait-ce que partiellement, ou si vous ne l'exécutez pas, vous pouvez avoir à exercer le nombre de jours amende en détention, en fait. En fait, on achète sa liberté, quoi. On convertit sa liberté en jours amende. Et ça peut aller jusqu'à quel montant? Justement, alors, il y a des seuils. Hein. Le maximum, ça va être 1000 euros par jour. Et le maximum de jours, 360 jours. Mais il faut savoir que le juge, lorsqu'il prononce sa décision, il tient compte des capacités du prévenu, de ses revenus, de l'infraction qui a été commise. Hein. C'est, oui. Voilà. D'accord. Alors, j'ai souvent eu entendre parler de ces jours amende pour des pères qui ne payaient pas leur pension alimentaire, qui pouvaient, plutôt que de payer, aller passer des journées en prison. Ça c'est convertible? Non, c'est-à-dire que dans ce jour amende là, oui. La loi en quelque sorte qu'a pas mon en faveur. Parce que théoriquement, c'est un monde qui pourrait la jouer. Ouais. Mais il aurait dit peut-être que bon, il aurait bien fait. Il aurait dit bon, pour que nous tant l'argent à payer pendant tel jour. Souvent, vous voyez, ce sont peines, hein, jouer à Mandela. Souvent, vous voyez, ou exécuter ça, quand on nous dit là, eh bien, il a fini. Quoi, ouais. Mais, et souvent, vous voyez, ou pas faire, bon, que l'argent, vous avez mal. Mais si vous laissez, pas seulement en matière de pension, mais en toute matière, à partir du moment où vous mettez mettre mon dans la jolle, c'est le principal jour à Mandela, où vous mettez mon dans la jolle, vous avez fait faire ça, dépend des jours à Mandela, c'est-à-dire que vous payez tant. Et pendant quel que soit le type de lit là, ou bien... Ni, parce qu'on ne peut pas rentrer dedans, ça c'est trop compliqué. Non, mais disons, okay. Après le principe général, c'est ouais. Ça, M. Bernier dit là.
Mais c'est un coup en faveur ou que payons l'argent. Mais donc la somme, elle doit être payée quotidiennement, en fait. Non. La somme, elle est versée au Trésor public qui vous envoie un courrier en vous disant, voilà, au terme de, si on a 60 jours, à telle date, vous aurez à payer telle somme. Vous pouvez très bien ne pas attendre la date butoir et payer la somme. Et si jamais on ne paye pas à la date butoir? Voilà, si on ne paye pas, on vous convoque, on vous rappelle l'obligation, il y a un avertissement. Et si vous êtes vraiment récalcitrant, et ben là, effectivement, il va falloir aller en détention. Bémao, quel est votre coin là? Qu'est-ce que la dispense de peine? Alors, la dispense de peine, c'est une possibilité qu'a le tribunal correctionnel lorsque il estime que vous êtes coupable, vous avez bien commis les faits qui vous sont reprochés, mais qu'en même temps, il ne vous condamne pas. Parce que vous reconnaissez les faits, vous vous êtes amendé, le trouble à l'ordre public a cessé et vous vous êtes excusé. Donc c'est un peu, comme il disait, une faveur qu'on fait aux délinquants, on va dire, primaires. C'est la première fois que vous vous retrouvez devant un tribunal. Vous avez indemnisé la victime, vous avez compris. On vous dit, voilà, on vous condamne, mais on vous dispense de peine. Oui. Mais sur le casier judiciaire, quand même, vous êtes inscrit. C'est pas automatique. Pas forcément. Pas automatique. Le tribunal là peut décider qu'il mette ça sur le casier judiciaire à Mouna. Il peut, c'est une possibilité réunie. Mais en général, sinon, un avocat est surtout plaidé pour y avoir médié. Donc c'est en appréciation, en possibilité, mais que le tribunal l'année, mais qui n'est pas automatique. Alors, dernier. Notion que nous voyons, c'est quasi des mounes, on entend que la peine à laquelle il a été condamné a été effacée, justement. Alors, à quel moment on efface une peine, qu'on vient effacer ça, puisque vous êtes condamné? Oui, c'est-à-dire que, vous savez, l'ordre vrai, par exemple, il est condamné au monde, en peine à la geôle, ou alors en peine d'interdiction, par exemple, en matière de banque, d'interdiction de fonds commerce, enfin, en peine pénale. Tribunal là, il prend peine là. Mais pourquoi exécuter? Et c'est procureur là qui a mis le jugement là en exécution. C'est-à-dire que si par exemple, il y a un monde 10 ans la jour, et que procureur là oublié ça, ou alors prévenu là, par contre, quand il fait monsieur Jean oublié ça, ça a arrêté là. Et si son en peine correctionnelle, 5 ans passés, il n'y a pas jamais mis peine en exécution, il n'y a pas demandé la loi d'aller chercher monsieur Kazé pour mettre des bimaro, peine n'a pas mis en exécution, à un moment là, ça. Peine effacée. Bon, et pour toute peine, c'est ça. Ça, c'est en première situation. Ni en deuxième situation, je condamne au monde en quelconque peine. Par exemple, nous avons le même cas là, 2 ans la geôle. Et que si c'est en peine correctionnelle, ou alors en peine criminelle, à cour d'assises, ou alors en peine, disons, contraventionnelle, c'est-à-dire le tribunal de police, quel que soit, mais en peine pénale. À un moment là, ça, vous voulez. Supposons qu'on soit en peine correctionnelle et qu'il y ait condamné Mouna à 3 ans la geôle. Et que 3 ans là arrivent à expiration. À un moment là, ça, il y a une prescription de la peine. C'est-à-dire que la peine n'a pas été effacée, pas automatiquement. Il faut qu'on saisisse le tribunal là qui prononce la peine là, ou qu'on dit voilà, arrivé à 3 ans là, donc pour nous effacer la peine là. Et si ça, par exemple, c'est casier judiciaire, pour effacer aussi, pour faire disparaître. Donc, si son peine correctionnelle, délai là, c'est de 5 ans. Si son peine contraventionnelle, il est de 3 ans. Et si son peine prononcée par la cour d'assises, c'est-à-dire criminelle, il est de 10 ans. C'est ça, hein? 10 ans. D'accord. Il est de 10 ans. Ben, et puis, il est effacé. Il est de 3h25, 1h25 avant. Nous boot juste un petit mot. Vous dites, allez là, rapidement, ça peut arriver que. Tribunal là, procureur là, oublié. Tout ça, il m'a pas un greffier qui a noté tout ça et tous les décisions. Là, on a dit oublié, on a dit s'envoler. Oui. Si par exemple, il prononce un peine non jugement qu'on condamne au monde, et que 5 ans passés, il n'a pas mis l'exécution. Ah, d'accord. Okay. 5 ans, c'est le délai de prescription. C'est que soit procureur là, oublié ça, soit ceci, soit cela. Ouais. On va constater simplement que 5 ans passés, il n'a pas mis l'exécution, prescription. Voilà, ben, 13h26, merci à nos avocats qu'on a retrouvés avec plaisir cette semaine, malgré les élections.
passé. Comment ça donc, Je comprends pas. Moi non plus. On va les retrouver jeudi prochain, la veille de Noël. Et ce sera juste la dernière session avant les vacances estivales, on va dire, de cette période. Et on vous remercie en tout cas d'être venu, Maritza et François. Je vous retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Okay. Céline, une dernière info avant le journal, avant la page de pub. Oui, on va partir pour Saint-Claude. Hier, la ville a salué les agents qui partent à la retraite. Certains d'entre eux ont passé toute une carrière, voire toute une vie au sein de la ville d'Annick. Oui. Non, c'est joyeux, c'est chouette. Voyons les images de cet hommage. Nous allons entendre notamment le maire de Saint-Claude, Élie Califère. On regarde. Merci à toi pour tout ce que tu as fait, pour ça fonctionne à la fin. Je tiens toujours à marquer ces départs à la retraite et je tiens toujours à ce que les services vous organisent un moment où ces agents qui ont servi la ville, vous avez entendu, parfois 46 ans, 46 ans dans une école, 46 ans d'histoire de la ville et 46 ans au cours desquels ils ont eu à vivre l'exode de 76. Imaginez un peu le périple, les difficultés que ces agents ont eues pour organiser disons, les écoles en Grande-Terre, revenir après. Ensuite, après, nous-mêmes, depuis que nous sommes à la tête de la ville, nous avons organisé un vaste programme de reconstruction des écoles. Alors, ce fut effroyable. Et ces agents sont restés à servir la ville avec passion, avec ardeur et, disons, et avec générosité. Et surtout avec une volonté aussi toujours de mieux faire et même d'aller à l'idéal. Et là, ce sont des agents qui partent avec une part de l'histoire de la ville, part de l'histoire des écoles et même une part de, on va dire, de certains savoir-faire. Car ces agents-là ont travaillé dans des conditions difficiles, avec, des volumes horaires qui étaient impressionnants. Je veux dire impressionnants par leur modestie et avec des coûts aussi, car ce sont des agents qui ont été à un certain moment vacataires, ils ont connu des pas titularisés. Moment difficile. Maintenant, de les voir partir ainsi, au moment où toutes les lois sont appliquées, ça fait quand même une belle tranche d'histoire. Et je suis toujours heureux de pouvoir les saluer parce que je crois qu'il faut parfois manifester un peu de gratitude. On se devait d'organiser ce petit moment pour les réconforter et bien sûr les saluer et surtout les féliciter. J'ai été recrutée en 1969 par M. Feu Robert Tamas pour être ATSEM à l'école des Quatre Chemins sous la direction de Mme Arlette Salomon, qui justement, l'école des Quatre Chemins pour la maternelle porte son nom. Et j'en ai vu pas mal de directeurs. J'ai aidé beaucoup d'enseignants, de nouveaux enseignants qui n'étaient pas trop habitués avec les petits. Donc, je les ai aidés beaucoup. En 46 ans, beaucoup de changements. Effectivement, j'ai connu le buvard, comme vous dites. J'ai connu, à ce moment-là, bon, c'était des petits, ils ne pouvaient pas encore avoir des plumes. C'était des feutres. Alors, nous sommes toujours au feutre et au crayolore. Et à la craie cire aussi. Donc, où nous réalisons beaucoup de beaux travaux, de belles choses avec les enfants. Je pense que je serai une retraitée heureuse et joyeuse, bien entourée par ses petits-enfants. En sport et en escrime, l'équipe de France de Fleuret s'échauffe en Guadeloupe. À leur côté, de jeunes escrimeurs locaux participent à ces entraînements, vous allez le voir, assez costauds. Échauffement, renforcement musculaire, étirement sont au menu. La sueur en plus, cette préparation s'inscrit en ligne de mire des JO de Rio. Ça se passera l'année prochaine. Partons pour la bien nommée salle Laura Flessel de Petit-Bourg. Le sujet est signé Harold Luce avec Maxime Morel. Sur les sportifs de ce type, il y a un certain nombre de blessures, mais là, pendant le stage, on fait un stage de physique, donc c'est surtout axé sur la récupération. C'est s'assurer de la bonne alimentation, et puis travailler ensemble avec le préparateur physique pour faire en sorte qu'il puisse assumer la charge de travail et qu'il n'y ait pas de blessures qui viennent s'ajouter à ça. Moi, j'ai fait personnellement du renforcement musculaire, avec des squats, des fentes, du gainage. Et les autres, ils ont plus fait travail cardio, circuit training. Après, les fondamentaux, c'est plus spécifique. Et après, étirement, pour finir en beauté. Franchement, c'était intensif et avec beaucoup de coups battus, de crocs pour moi. Et franchement, c'est pas comme les autres entraînements qu'on a l'habitude de faire.
que c'est comme ça qu'ils s'entraînent tout le temps, je pense, parce que c'est un niveau supérieur. C'est l'INSEP, c'est pas le CREPS, donc c'est normal. On est très contents d'avoir 4 Guadeloupéens à l'INSEP et en plus ils font partie de l'équipe de France, c'est un modèle pour nous. Donc on est très très fiers d'eux. L'entraînement à l'INSEP, déjà ils sont plus âgés, donc ils ont déjà un physique qui est un petit peu établi. On peut se permettre de les pousser un peu plus loin, il n'y a pas toutes les pathologies qui sont liées à la croissance, à l'adolescence. Par jour, on a quand même peut-être 3 heures et demie, 4 heures d'entraînement. Donc c'est pas facile parce qu'il y a les cours aussi entre temps. Donc il faut jongler avec les cours et l'entraînement, mais ça se passe bien. Mais c'est sûr qu'il faut être très rigoureux à l'entraînement pour réussir. Alors c'est beaucoup d'engagement au quotidien, c'est de la rigueur, un professionnalisme dans chaque entraînement. C'est-à-dire, un entraînement, c'est pas juste venir faire des matchs. Non, c'est une préparation, c'est un échauffement, c'est une récupération après. Et c'est toute cette petite routine qui est mise au quotidien qui permet d'atteindre les sommets. Et c'est vraiment, si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui arrivent, c'est vraiment de mettre beaucoup d'attention à chaque détail dans un entraînement. Mon objectif, c'est d'intégrer le pôle Wattini l'année prochaine ou dans 2 ans et aller le plus loin possible. Voilà, 13h32, on tourne une page de publicité et on revient dans quelques minutes avec encore de nombreux invités. A tout de suite. Lionel. Voilà, il est 13h39 minutes et comme on l'a dit, nous sommes en Noël là même et c'est pour ça qu'on va recevoir tout de suite Monsieur Gierko, Lionel Gierko du groupe Zulaka. Bien bonjour. Bonjour mon frère. Alors, première question que vous posez, Zulaka Kassaï, Zulaka et Kassam Zouk, mais en même temps il n'y a pas Zouk. Exactement, c'est Zouk mélangé avec K, c'est-à-dire que c'est toujours du Zouk dansant avec le K à l'intérieur, nous concilier. Alors, Zulaka a déjà son style de musique, l'association c'est Kako. Et Adam Kako qui était dit tambour, nous décidait de bon, ben, nous faire Zulaka. Ouais. C'est non à style de musique. De toute façon, depuis que tu es né Loïc Amboulé, tu es obligé de ni tambour. Obligé de ni tambour, voilà. Ouais. Et donc le tambour, il a sa place. Ouais. Donc c'est une musique très dansante, qui, voilà quoi. Et nous, Némissa Amboulé, bon, pas ça, mais quand même des textes qui sont plus ou moins assez en valeur pour nous, nous avons fait confiance. Donc nous avons englobé ça, sa musique. Et faisons bien avec ça. Céline. Donc là, vous êtes parti comme chaque année pour la tournée des Chantés Noël dans celui hier soir, hein, qui était assez exactement. Marquant, bon, on va dire. Oui, hier soir, un petit peu marquant, on a eu un peu de frayeur, mais nous, on n'a rien vu venir. Hein, c'est-à-dire, il y avait quand même du monde, et c'est l'agitation, mais les gens dansent. Donc on n'est pas censé savoir qu'il y avait quelque chose. Ouais. Mais pas entendu le bruit du coup de feu. Pas du tout, mais il y a tellement de décibels, on n'a rien entendu. Oui. Et puis finalement, c'est le technicien qui était le technicien façade. Qui a couru, qui nous a dit, les gars, s'il vous plaît, calmez-vous, il y a quelqu'un par terre. Et ce n'est que comme ça qu'on a... Et donc vous avez arrêté la manifestation? Oui, on était obligé. Il y a du monde par terre, il y a du sang, donc les gendarmes sont arrivés. Ensuite, les ambulances et tout ça. Et le maire a pris la décision, après consultation, d'interrompre la séance. Mais sinon, c'était bien parti. Bon, ça ne vous a pas refroidi pour les futurs Chantés Noël qui arrivent? Ah non, pas du tout, parce que ce soir, on est à la boucle en Sainte-Rose. Il faut y aller, après bon, on part en Noël cacadeau avec les habitants, après on part au casino, enfin on vous êtes très sollicité, un groupe très sollicité. Bon, je peux dire que on est un peu surpris. On pourra passer Noël à casa en tout cas. Ah non, pas du tout. Même les 24 qui ont famille, on peut aussi faire que manger à casa. C'est ça. Mais sinon, ça va. Zulaka, c'est vrai que des gens, on a eu un concert à la salle de Wafrecel, et j'avais des amis de Paris et un ami à moi qui les a emmenés, une vingtaine de personnes. C'est quoi Zulaka? Ça fait Zoulou, c'est quoi? Ils disent, mais les gars, venez voir, vous allez voir. Et quand ils sont venus voir le concert, d'ailleurs, on a fait la salle en chicomble, hein, avec on a dépassé les normes. Et là, ils disent, ouais, effectivement. Vous êtes combien? On est 9 musiciens dans Zulaka, et on a aussi, on a griffé dans Zulaka toutes les curistes qui sont devenues des chanteuses, puisqu'on les a fait travailler. Donc là, maintenant, on est en gros une bonne. 25-30 pour le chanter Noël. Oui, pour le chanter Noël, mais concerts, sur scène, quand il y a un concert. Sur scène, on aurait dû, on est gros en gros à 10-12 personnes. Vous avez tous les instruments en dehors du cas, vous avez des instruments traditionnels? Alors, pas tous les instruments, on a gardé des instruments qu'on maîtrise parce qu'en fait, on n'a pas voulu faire trop d'orchestration de piano. D'accord. C'est du voulu. Pas de synthé?
Ça dit que dans le CD, il y aura du synthé. Et on va d'ailleurs recruter un pianiste. Parce qu'il y a un synthé qui joue. Mais on a quand même voulu garder la guitare, donc le rythmique, la basse, qui voilà, la batterie, les deux cas, c'est-à-dire un gros djembé et un boula. On a le tibois, ouais, et j'ai encore l'accordéon, diatonique. Et on a le chant, on est quatre chanteurs dans le groupe, en gros. Et avec ça, on a le gars consigné. Vous-même, quel est votre instrument? Je suis chanteur-batteur. Chanteur? Les deux. Les deux. Bon, alors, au Tibourg, ok, au Tibourg aussi, parce que c'est... Oui, alors en gros, nous serons à Petit-Bourg. Pentabacus, je pense que c'est le 20-21, Pentabacus. Ensuite, on en a finale dans le bout de Petit-Bourg, si on est obligé de clôturer avec la municipalité, quoi, ça, justement, parce que eux, là, c'est vraiment une force montante. La ville de Petit-Bourg nous a vraiment pris, mais au sabot. Et nous emmener un petit peu. Nous, on n'est pas encore arrivé dans l'icône, mais depuis le sabot... Vous a fait changer d'avenir. Ah oui, tout à fait. Changer d'avenir, ouais. C'est une histoire. Pas grave comme ça, là. Mais Jean-Patrick, vous l'a donc, c'est lui, là, vous récupérez. Ouais. Tout à fait. Donc, je les remercie beaucoup, franchement. Ils nous ont beaucoup aidés. D'accord. Il y en a eu des sponsors, des partenaires, mais la ville de Petit-Bourg, en gros, nous a supportés pendant 2 ans, nous a donné vraiment l'allure qu'il fallait. Et donc maintenant, voilà. Alors vous êtes à votre 3e CD, il y a un CD qui est en cours. Là, qui le CD va sortir d'ici, on va dire, en gros, une dizaine de jours. Oui. Bon, si vous voulez, on aurait pu faire sortir avant Noël. Mais en fait, faire sortir un CD qui n'a pas de musique de Noël pendant la fête de Noël, oui, c'est clair qu'on m'a proposé un titre. Et les Noël passées, il est classé. D'accord. Et comme c'est du commercial, on s'est dit, bon, on va attendre. Et bien évidemment, donc avant le 31 décembre, en gros, on devrait avoir déjà quelques échantillons. Ce sera quand même un cadeau de Noël. Toute dernière question, voilà. Céline, peut-être Non, justement, c'était sur nous dire quelques mots encore de cet album. Qui compose comment ça se passe un petit peu au sein du groupe? Parce qu'il y a ceux qui écrivent, ceux qui composent. Alors, c'est-à-dire, en fait, tout le monde écrit. Mais seulement, on a gardé une tête pensante. Monsieur Amboulé, il nous surprend. Parce que même moi, je suis interprète. Pour interpréter mon titre, il me faut mon pupitre devant moi. Et lui, il vient comme ça avec sa tête rasée, oui, il a tout dans la tête. Donc, et lui nous amène de super compositions, il parle d'actualité, on a un morceau qui parle de sargasse, il y a un morceau qui parle de WhatsApp, il y a un morceau qui parle, en fait, il y a plusieurs morceaux. Très varié, donc. Oui, très varié. Donc, chacun va s'y retrouver. Il y a un morceau qui parle des maîtresses et des maîtres qui sont souvent agressés dans l'éducation nationale. D'accord. Il y a un morceau qui parle de Jésus, de réconcilier le peuple, de calmer un peu les choses, de baisser un peu la main pour qu'il n'y ait pas trop de violence. Donc, il y a pour tous les goûts. Et qu'on espère faire plaisir, parce que chacun va se retrouver. Alors, quel est le titre de cet album? Alors, pour l'instant, on n'a pas défini quel morceau va-t-on promotionner. Mais en gros, il y a 10 titres. D'accord. Voilà. Bien, écoutez, monsieur, on est bien content de vous connaître, en tout cas, tout en cas découvert, ça va être tout le cas. Tout à fait, tout à fait. En qu'écoutez l'album Azoclay qui est sorti, nous avons l'occasion. Bon, il y a la page Facebook, il y a YouTube, on peut déjà... Ouais, cliquez sur le Facebook de Zoulaka et Noir. Parce que hier, me dit, et puis on clique, ou bon, et puis des clics, ou bon, pas bah vous en faites 3 clics, vous connaissez tout ça qui a passé. Zoulaka. Donc tu vas cliquer, vous allez voir ce qui se passe. D'accord, bien on a pris note et on vous retrouvera dans quelques jours pour parler de cet album. De la sortie. Et nous faisons un petit live. Hein? Oui, non, mais il n'y a aucun souci. On est préparé pour ça. Il ne faut pas grand-chose pour faire en live. Hein? D'accord. Un tambour, une guitare, une basse, les chanteurs, etc. Et puis ça part tout seul. Merci en tout cas, et à très bientôt et bon Noël. Oui, surtout. Sans excès. On espère que ça va aller. C'est de la suite. Oui, on poursuit et à la demande des parents d'élèves, nous allons revoir les images du spectacle de fin d'année des enfants de la Clé des Arts. L'invité surprise s'appelait Danick, je vous le donne en deux. La Clé des Arts. Le Père Noël. Ah, et oui, il était hier à l'espace régional du Rézé et Yanis Péquignot était sur place. On revoit ce sujet donc. Ben aujourd'hui, c'est l'arbre de Noël, donc on clôture une année, enfin une petite année on dira, quelques mois. Donc les enfants ils ont préparé leur petit spectacle, arbre de Noël avec Papa Noël et remise des cadeaux. Et alors vous avez chanté quoi? À tue-tête. Vous me chanté? Je chante à tue-tête comme la trompette, gratte la guitare du matin au soir. Je
Eh bien, je suis content, justement, pour ce nouveau jour. Et puis, pour la Clé des Arts, hein, quand même, parce que ça fait un petit moment que nous tournons avec ces enfants. Et de plus en plus, nous en avons pas mal d'enfants qui viennent à la Clé des Arts, et c'est une merveille pour nous. Je voudrais un bonhomme de neige, ou bien avec moi. C'est super! Alors, on a fait du cirque, on a travaillé sur la danse, on a fait. On a commencé à faire les réflexions le matin et tous les autres fois. Et à la fin, on a commencé à bien mémoriser et on a terminé. Et maintenant, le spectacle, il est magnifique. Qu'est-ce qui t'a offert le Père Noël? Un collier et des boules. Et des boules. Des boules d'oreilles. Il y a des 3 jusqu'aux 10 ans. Donc, il y a l'éveil musical, du cirque, théâtre, de la danse, des échecs, c'est varié. Elle a dit que c'est un nous. Deux invités, on a deux invités après. Oui, voilà, on démarre. Je disais qu'on avait deux invités qui vont arriver tout à l'heure, mais pour l'instant, on reçoit. Donc, Patrick Jacobi-Coroli, qu'on a l'habitude de voir ici, et il va nous parler de Green Ziri. Qu'est-ce que c'est Green Ziri là ? Green Ziri, c'est une association qui fait la promotion du cinéma afro-caribéen. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'on est amené à faire aussi bien de la production, de la réalisation, mais c'est vrai que notre but ultime, c'est de vraiment mettre un site qui va mettre en avant tout ce qui se fait au niveau de la Caraïbe et plus globalement, justement, du cinéma afro-caribéen. Donc, c'est pour ça que. C'est pour ça que là, effectivement, on est venu aussi parce qu'on est dans le cadre aussi d'une manifestation à l'initiative de la ville de Petit-Bourg. Oui. Donc, c'est vrai qu'on nous a contactés, on nous a demandé effectivement de mettre un programme en place. Donc, il y a une projection qui va se dérouler le lundi 21 décembre. Qu'est-ce que vous avez projeté ? Donc, on va projeter à 14h, comme c'est Noël, pour les enfants, les mignons, dessins animés, comme on dit, qui va permettre de rassembler toute la famille. Mmh. Et puis, c'est vrai qu'on voulait aussi mettre en avant le fait justement qu'au niveau de l'animation, on a maintenant des Afro-Caribéens, notamment en Martinique, l'école de Parallèle 14. On a des Antillais maintenant qui savent faire de l'animation, qui ont travaillé aussi bien sur des films comme Shrek, des films assez importants. Et je pense que c'est aussi le but de Green Ziri, c'est de donner aussi aux jeunes un peu d'espoir. Donc on organise aussi le sommet de la réussite afro-caribéenne. Donc on veut montrer aussi à ces jeunes que ben, des fois ils ont envie de faire quelque chose. Il ne faut pas qu'ils se disent « Ah non, ce n'est pas possible, il faut que j'aille à tel endroit. » Non, c'est possible. Aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, tu veux faire un dessin animé, c'est possible. On a des exemples. C'est une école, comme je dis, où il y a des personnes qui ont travaillé. Nous, on a beaucoup de stagiaires, on a beaucoup de référents, donc on peut tout faire. Mais le but, c'est de former aussi, comme on dit, des plus jeunes, des moins jeunes, et aussi de leur montrer que c'est possible. Et après, effectivement, justement, avec la ville de Petit-Bourg, avec laquelle on travaille beaucoup, on nous appelle pour faire des prestations un peu plus institutionnelles. Mais d'accord. C'est vrai qu'on essaye et c'est pour ça aussi qu'on a une Web TV qui va voir le jour très prochainement, qui va mettre toutes ces choses-là en lumière. Donc c'est vrai que là, pour le lundi 21 décembre, on veut déjà faire une première de montrer que c'est possible. Donc c'est vrai qu'on va faire une projection des mignons à 14h. Mais vous réalisez des films, des petits courts-métrages ? On réalise tout, on peut tout faire. En fait, le but de Green Ziri, c'est de montrer justement que tout est possible. Rien n'est rien à celui qui veut, de toute façon, celui qui veut, voilà, il peut. Donc vous allez me demander, même là, tout à l'heure, on avait Zulaka, on a effectivement eu des choses, des clips qu'on a pu faire aussi pour M. Bob Timo qui travaille avec vous. Mmh. Zulaka, on peut faire des émissions, on travaille beaucoup avec l'ICFC. On fait tout en fait, mais on montre aussi que dans tout ce qu'on fait, on a toujours un stagiaire, quelqu'un qui veut apprendre, dont on teste la motivation.
Après, derrière ça, c'est vrai qu'on a les villes aussi qu'on sollicite pour leur proposer aussi des projets. Donc là, par exemple, pour le projet du lundi 21, c'est la première étape d'un long périple qui va se dérouler dans plusieurs quartiers de Petit-Bourg. On va mettre en avant justement le cinéma afro-caribéen, des films justement qui sont un peu novateurs, qui montrent que justement, eh ben voilà, le ça bosse, il y a des gens qui bossent. Là, on a entendu parler des gangs des Antillais, on entend parler de plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui passent aussi à la trappe, qui sont faits, et puis on n'en entend plus jamais parler. Oui. On en dit, ah ouais, effectivement, il a fait ça, vous êtes bien placé. Alors, est-ce qu'un de ces jours, vous viendrez nous présenter un de vos produits, qu'on voit un peu ça, c'est pas fait? Mais oui, mais... Parce que le cinéma n'a pas pour parler, c'est pour vrai aussi. Là, comme on n'a pas le temps, on n'aura pas le temps de voir le produit, mais oui. Je me déplace toujours avec les produits qu'on réalise. Donc oui. C'est vrai qu'on fait aussi... On a fait un film qui a été primé au festival Terra Festival, oui. Qui était sur le développement durable. Et c'est vrai que c'est un film qui a eu un bon cheminement, qui a été très plébiscité. Donc c'est vrai que comme on disait pour l'instant, on le fait avec nos petits moyens, nos idées et puis effectivement un peu de débrouillardise. Mais comme je dis, on a quand même la chance d'être en Guadeloupe. Bon voilà, il y a des belles choses. Il y a beaucoup de gens qui reviennent au pays avec des formations assez importantes. Comme je disais, on a la Martinique, on a une école privée que la Caraïbe nous envie parce qu'effectivement, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se former avec des gens qui ont travaillé avec Spielberg et, oui. Et des personnes plus importantes. Donc c'est ça, c'est la première phase. En fait, la question qui me venait, c'était, je me demandais pourquoi avoir créé une association, en fait, à la base, parce qu'on sent que vous voulez vraiment vous professionnaliser. Mm-hmm. Donc après, à terme, c'est quoi l'idée de... Ben, en fait, de c'est exactement ça. C'est une voilà, boîte, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on vient à la base du monde de l'entreprise. Donc on s'est fédéré en association. Mm-hmm. Mais effectivement, moi, j'étais gérant d'un label pendant une dizaine d'années. Mm-hmm. Donc c'est vrai que en faisant un peu l'état des lieux de ce qui se passait au niveau audiovisuel, on s'est dit avec d'autres prestataires, bon, ben, si on se réunissait et on proposait quelque chose d'un peu novateur, de différent, où l'idée et la qualité prennent le dessus à, comme on dit, le côté commercial. Donc c'est pour ça que c'est une association. Après, effectivement, par la suite, le but, c'est de se mettre en entreprise. Et dans l'équipe, alors, il y a des producteurs, des preneurs de son. Il y a des preneurs de son, il y a des producteurs, des prises de vue. D'ailleurs, une pensée pour un de mes collègues, Pierre, qui vient de perdre son petit frère. Donc il y a de tout dans l'équipe. C'est vrai qu'on a cette chance-là. Moi, j'ai été formé à la base aussi au niveau de la radio, de la télé, il y a quelques années. Donc on a beaucoup de gens qui jouent le jeu. Des fois, on vient aussi, on démarche aussi des gens comme pour le FEMI. On leur a proposé de faire la télé du FEMI. Donc effectivement, ça s'est bien passé. Ils nous ont dit bon, d'accord. Donc chaque jour, on avait 2-3 stagiaires, 2-3 personnes un peu plus expérimentées. Chaque jour, on faisait une rétrospective de ce qui s'était passé dans la journée. Donc on a vraiment, comme je dis, en Guadeloupe, on a cette chance-là. On a vraiment des gens de talent. Donc le but, c'est de ne pas les décourager parce qu'effectivement, le milieu n'est pas facile. Donc des fois, ils se disent « Ah ouais, non, mais on n'arrivera pas, il faut aussi… » Non, c'est possible. Mmh. On a en plus maintenant Internet. Et ce qu'on fait, on peut le faire voir au monde entier. Moi, je suis très pour ça, en fait. C'est la mondialisation de l'audiovisuel. Alors, Patrick, on va prendre le rendez-vous. Donc, c'est le 21. Donc, c'est le 21. Première projection à 14h, le dessin animé Les Mignons. Deuxième projection pour les ados, le film Dope. Pareil, produit par Pharrell Williams, Forest Whitaker et Sean Puff Daddy, on va l'appeler, ouais. Sean Combs. Très hip-hop. Donc c'est vrai que, voilà, pardon ? Très hip-hop. Voilà, okay. voilà. C'est en version originale ou en version originale ? Non, c'est malheureusement, bon, comme on n'a pas pu effectivement avoir la version originale, mais comme je vous dis, c'est une première étape. D'accord. Donc là, le but, c'est de déjà montrer ce qu'a pu faire le réalisateur. Alors, on va prendre nos rendez-vous quand même, Patrick Jacobi Corali, la prochaine fois que vous venez ici. On va venir voir un produit. Oui, un produit, ouais, tout ça parle. Pour un petit fraiseur, tout ça parle. Et pour Mounadi, bon, je ne sais pas, mais il y a mon rendez-vous. Voilà, non, mais nous dans le concret. Ok, merci en tout cas d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Merci à la ville de Petit-Bourg, Zoulaka aussi, Noël Thibault. Merci à tous les partenaires aussi. Pour tout le monde, voilà. Et voilà, il est 13h56, on va recevoir dans un instant José Toussaint qui viendra nous parler de Voilà Master, puisqu'il y a un concours. Et Céline, un petit mot avant. Oui, vous avez de la chance, Danique. Oui. J'ai une image. Toujours. J'ai une image, je sais que vous êtes amateur de foot, bien sûr. Oui. Donc on va voir l'image de José Mourinho. Ah. Je suis sûre que vous êtes au courant de il cette nouvelle qui s'est fait jeter de Chelsea. De Chelsea, oui. Ouais. Il a été démis de ses fonctions aujourd'hui par le club londonien. Oui. Le coach portugais paie en quelque sorte les mauvais résultats de l'équipe.
équipe. Alors, il faut savoir que son club, il est 16e. Voilà, exactement. Et que Chelsea a accumulé des difficultés, des matchs perdus depuis environ le début de la saison. Et donc, ce qui explique que José Mourinho, qui était quand même une figure du football anglais, se fasse jeter, alors que hier le PSG a encore gagné contre le Saint-Étienne. Mais Dani, ce que je voulais dire aussi à propos de cette de cette info, c'est que le Daily Mail a calculé que le club pourrait devoir à monsieur quelque 55 millions d'euros, donc un parachute doré assez confortable, totalement, un petit matelas oui. pour la suite. Il pourra y aller. Bien. Alors on va recevoir donc Guadamaster. Normalement, non, c'est pas Guadamaster. C'est ce qu'on m'avait dit. Oui. Là, on est venu parler de nouvelle campagne. Oui, la ville de Sainte-Anne. Exactement, la ville de Sainte-Anne. D'accord. On est victime de notre succès, Dani. Voilà, c'est ça. Les invités déboulent. Alors, comme c'est Noël, bon, on est fou, pas de problème, alors. Oui, donc je suis Madame Étienne, présidente de l'association Sakila. Oui. Voilà. Et en fait, je suis venue parler d'un regroupement associatif qui se fait dans la ville de Sainte-Anne, plus précisément au niveau des Grands Fonds Sainte-Anne, où nous présentons une nouvelle campagne ce samedi 19 décembre. Qu'est-ce que vous appelez une nouvelle campagne? Alors, ce qu'on appelle une nouvelle campagne, c'est toutes les cultures, tout ce qu'on a culturellement à Sainte-Anne concernant les chantées Noël qui se font habituellement. Oui, alors comment ça va s'organiser? Alors, ça va s'organiser dès le matin, dès 7h, avec une marche qui sera dans les fonds, où on pourra découvrir de multiples facettes de la campagne, ainsi que les plantes médicinales, les arbres. Ce sera riche en instructions pour les plus jeunes et pour les plus âgés. Ensuite, il y aura un marché de Noël qui sera organisé avec les artisans et les agriculteurs. Tout à fait, à l'école Fouché des Hauteurs de Sainte-Anne. D'accord. Donc, il y aura un marché avec des artisans qui viendront exposer. Il y aura une ferme aussi avec des animaux de chez nous et d'ailleurs. Donc nous invitons vraiment tout le monde à venir voir. Ouais. Et aux environs de 18h, nous organisons une marche. Qui se fera. Deuxième marche. Ah oui, mais c'est une marche spéciale parce que c'est une marche de Noël avec des thématiques. Il y aura une thématique qui sera les rois mages et une autre thématique, Marie et Joseph. Donc ce seront deux lieux bien distincts de la commune, donc de Des Hauteurs à l'école de Fouché. Et ensuite de l'école de Fouché toujours. Et on va avoir la crèche à ce moment-là. Mais justement, c'est pour ça que la thématique, elle est belle. C'est que de ces deux marches découle en fait une crèche vivante. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Exactement, puisque les deux marches ont un nom bien distinct. Il y a la marche de Marie et de Joseph qui arrive à la crèche, donc à l'école. Mmh. Et ensuite, la marche des rois mages qui sort de Des Hauteurs et qui arrive avec leurs offrandes à l'école. Non, c'est très clair. Donc, ça se finit donc par cette marche. Il y a un chanté Noël à la fin. Et il y a un chanté Noël. Où, à partir de quelle heure? Alors, le chanté Noël sera à partir de 21h. D'accord. Et jusqu'à? Jusqu'à l'aube, j'espère bien. D'accord. Alors, on retient le matin une marche. À partir de après un marché. Un marché. Et voilà. Puis le chanté Noël. Voilà, donc la marche de 18h, ce sera fait bien évidemment avec des chants de Noël. J'imagine bien. Donc il y aura la liesse, il y aura tout le monde qui sera là. Et j'invite vraiment toute la population à venir participer avec nous. Ben écoutez, on peut prendre rendez-vous pour ce... On va dire ce spécial Noël vivant, c'est un spécial Noël vivant, Noël. Ça. Oui, c'est un Noël vivant, un Noël campagne, un Noël avec toute la chaleur des campagnes. Il y a une page Facebook ou un flyer qu'on peut retrouver pour les enfants. Donc il y a un flyer qui est disposé dans différents points de vente de la commune de Sainte-Anne. On a essayé de faire plus large, mais on n'a pas pu. Donc c'est pour ça que je profite des ondes pour dire à tout un chacun, de venir samedi 19 nous rejoindre à l'école de Fouché des Hauteurs. Exactement. Ouais. De venir à partir de 7h, toute la journée, il y aura des manifestations à l'école, donc de venir et de participer avec nous. On a pris mot, Madame Étienne. Merci d'être venue en tout cas. Merci beaucoup. Le peuple vous a entendu et mon grand foin, portez mon neuf, c'était le matin, c'est bien ça hein? Oui, tout à fait. C'était le matin. Voilà, je crois qu'on a bouclé aujourd'hui. Oui, c'était très compliqué. Demain, c'est en direct de la présidence de la région. Oui, l'intronisation de M. Arichalus, on sera en direct.
On ne vous verra peut-être pas. Ou non, peut-être on vous verra pas, dans les coulisses, on ne sait jamais. Mais le soir, en tout cas, on vous verra. On vous revoit ce soir. Oui, à 18h30. Et nous, on se revoit ensemble lundi. Pareil, comme toujours dans le ZCL, avant Noël. On sera à J-3. J-4. Oui, J-4. Ouais. Bon, il y aura du boudin. Je sais pas, ça va dépendre de nous, Dani, qu'on va s'organiser. On verra ça. Merci en tout cas d'être avec nous. Si vous êtes encore à table, bon appétit. Prenez votre dessert et puis nous, on va essayer de déjeuner. Salut, à demain.